Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce meuble là. Je vais m'écarter pour vous permettre de regarder. Alors l'idée en fait au départ c'était d'avoir un meuble dans lequel je pouvais incorporer un miroir pour pouvoir me voir de derrière, parce que c'est vrai que quand on se coiffe, bah, parfois on voit pas tout ce qui se passe à l'arrière, et des fois on sort avec des coupes de cheveux. On croyait qu'on était bien coiffé, mais en fait non. Donc là, je vais vous proposer dans cette émission-là de finir de le crafter et de le peindre. Sachez que la semaine dernière, j'avais fait paraître une vidéo dans laquelle je vous montrais la conception et la fabrication de ce meuble. Je vous mets le lien ici. Donc si vous souhaitez voir comment je m'y suis prise pour réaliser ce meuble, je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors, pour démarrer, je vais faire aussi tous les coins où il y a des démarcations en premier, pour être tranquille après. Alors là, je vais vous montrer cette ligne-là, parce qu'elle a une double difficulté, c'est qu'il y a un arrondi convexe et des plis, donc ça va être plus difficile ici d'avoir quelque chose de bien propre que dans une belle ligne droite, évidemment. Alors, je vais commencer par la partie droite qui sera beaucoup plus facile. Ce que je fais moi, quand j'ai des boursouflures de carton, je rentre le doigt à chaque boursouflure. Alors de temps en temps, pour garder, pour éviter en fait que le papier redescende, il faudra peut-être que vous fassiez un pli à l'intérieur, hein. Mais c'est pas grave, au mieux qu'il y ait un pli plutôt que le papier soit trop remonté. Je fais des petites ailettes. Et à chaque fois, je vais venir pousser le carton et je vais bien tirer mon ailette à chaque fois que je dois plaquer. Voilà. Puis là, si vous voulez pas avoir des petits bouts comme ça, le mieux c'est de mettre un petit coup de craft par-dessus. Alors là, maintenant j'ai fait l'avant, je fais l'arrière. Une fois tout ce qui dépasse. Thank you.
pour avoir fait plusieurs fois des bêtises avec des miroirs. Moi maintenant ce que je fais, je mets un tissu en dessous parce que sinon après pour le récupérer une fois qu'il est dans le fond du trou, c'est quasiment impossible. Surtout s'il y a besoin de forcer un petit peu. Là ce que je fais c'est vraiment pour voir, bon ça marche bien hein. Ce meuble là je vous le montrerai dans une autre vidéo. Je vais le mettre en sécurité pour éviter de l'abîmer. Et là donc je vais passer à la peinture. Alors l'intérieur ici, là où j'aurai le miroir tout à l'heure, je sais pas d'ailleurs si je vais pas le mettre maintenant parce que sinon je vais le salir avec la peinture. Ce que je vais faire, je vais prendre le miroir, je vais le protéger avec du scotch et ensuite je vais l'enfoncer dedans, comme ça je suis tranquille. Et seulement après, je viendrai faire la peinture. Alors la bonne nouvelle sur ce meuble, c'est qu'il n'y a pas de fil ou de colle. Ça c'est cool. Et en fait, sur le précédent meuble, en fait, quand je vais faire la peinture, c'était un peu la cata parce que toute la peinture était sèche, donc j'ai réussi à la diluer avec de l'eau. Mais bon, il y a des petits copeaux, des petits gros mots dedans, donc je vais devoir faire avec. Alors je vais faire déjà les intérieurs. Là j'arrache le scotch. Là, je suis en train de peindre les liserés mauves. Alors j'ai déjà commencé ici un petit peu dans le coin là. Mais je me dis faudrait peut-être que je fasse attention parce que je vais déjà commencer en fait les intérieurs et ensuite seulement je vais faire l'extérieur parce que sinon avec la manche je risque de barbouiller plus qu'autre chose. Donc là j'ai pris un tout petit pinceau, je vais vous montrer. Je vais enlever parce que hop. Là j'ai pris vraiment un tout petit pinceau, je sais pas d'où je l'ai, mais alors il est super fin. Et en fait, la peinture elle coule bien, donc je peux prendre à la fois une grosse quantité de peinture et travailler tout fin. Donc il est super ce petit pinceau. Et j'ai aussi mon éponge. Au cas où il y a un petit accident, je pourrais tout de suite réajuster. Alors pour ça, je me mets à 6 ans. Vraiment tranquille. Alors je vais faire tout ce qui est d'un côté et ensuite tout ce qui est de l'autre. Donc là pour le meuble là c'est un peu particulier parce que j'ai commis l'erreur d'oublier qu'il fallait une cale en dessous de la glace pour lui permettre d'être incliné parce que le but de ce meuble c'est que je puisse voir ma coupe de cheveux derrière quand je me regarde dans la glace ce matin. Donc voilà quoi. J'ai préparé mon support. Donc là, il faudrait quand même que ce soit solide parce qu'il y aura un miroir dessus. Voilà. Ensuite, je vais installer mon miroir.
Donc là, je le pose simplement. Hein. Alors, tu as trouvé une technique. Déjà, je vais peindre parce que je ne veux pas ressalir le miroir après. Donc là, je vais peindre. Ma petite gamme et ensuite je vais mettre mes petits points de colle. Donc faut en mettre suffisamment hein, pour que ça tienne bien. Voilà. Ensuite je fais mes trous. Alors j'avais fait de marquage hein, ici, donc là je vais percer simplement le ciseau. Donc voilà, ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous remontre le meuble. Donc, sachez que sur cette chaîne, il y a trois types de vidéos. Tous les lundis, c'est des vlogs nature. Les mercredis, des vidéos de vie quotidienne. Et tous les vendredis, des diaries création, comme aujourd'hui. Là, j'ai pas mal d'autres vidéos encore à monter. Parce que j'ai fait plein d'autres meubles, donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, pensez à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.